Eh bien, yo les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau... tu vois là, pourquoi j'ai pas mes contours? Parce que quand j'ai vu ce truc, ça a déréglé mes contours. Eh, les gars, le trailer de FIFA 18, un petit trailer, il est sorti. Et là, les gars, il y a plein de choses à dire sur ce trailer. Donc, on est tout de suite parti, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je suis pas coiffé, les gars. Quand j'ai vu ça, ça a déréglé ma coupe. Donc, vas-y, attends, on est tout de suite parti sans perdre de temps. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va... Ouais, moi ça va bien, parce que quand j'ai vu ça là, ça refait ma journée. Dites-vous, je vais pas avoir mon bac juste à cause de ce foutu jeu. Donc les gars, on est juste parti, on regarde la bande-annonce. C'est parti. Stop! On peut déjà stopper. Là, je pense que vous avez dû voir, il y a un point clé. Il y a un point clé. Le logo PS. Et oui, les gars, comme je l'avais dit sur Twitter, mais je pense que vous me suivez pas sur Twitter. Si vous voulez le faire, bah c'est dans la description. Esports, ils sont passés... en partenariat, si vous voulez, un accord avec Sony. Donc voilà, ça c'est vraiment bien pour les joueurs PS4. Ça veut dire qu'il y aura les légendes. Donc je vais revenir sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on est tout de suite parti avec le trailer de FIFA 18. Cristiano. Oh, ils ont mis Cristiano. Ça ressemble vaguement à FIFA 17, mais oh, les supporters, c'est bien fait. Crish! C'était N'Golo Kanté. Oh la faute. Yeah, ça commence bien la frostbite. On va stopper. Pour l'instant c'est pas mal. Les images sont pas mal. On voit... ouais non. Pour l'instant c'est pas mal. Après ça ressemble... je trouve... pour l'instant je trouve que ça ressemble à FIFA 17. Bon après on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça ressemble beaucoup à FIFA 17. Couvrant des Cristiano. Oh. Oh stop. Stop sur Cristiano. Attends. Eh les gars. Ouais, là par contre c'est impressionnant, c'est hyper bien fait. Après les gars, regardez là derrière, il y a un... voilà, mais il y a un petit 0-0 avec du bleu. Est-ce que ça peut être la Ligue des Champions? Hypothèse, on reviendra sur ça après la fin du trailer. Yeah. OK. Oh les supporters, c'est super bien fait. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Ils nous donnent un petit avant-goût. Ils ont déjà, y a un truc à vous dire. Maintenant, les jurys de FIFA, c'est encore changé. Cette fois-ci, ce sera Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est pas mal. En même temps, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, c'est normal que ce soit lui. Voilà, ce sera Cristiano Ronaldo. Après, là, on va venir sur les hypothèses. Donc, les trucs sûrs. Donc il y aura les légendes sur PS4, mais il n'y aura pas toutes les légendes comme sur Xbox. Il y aura les icônes, genre les meilleures légendes. Donc sur PS4, nous on aura les meilleures légendes. Déjà on sait qu'il y aura Ronaldo. Il y aura peut-être, je pense qu'il y aura Zidane, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, on aura les meilleures légendes sur la PS4. Après, les petites hypothèses sur ce FIFA. Donc en même temps, je vous affiche les captures que j'ai trouvées. Voilà, il y a aussi un truc, une hypothèse. Est-ce qu'il y aura la Ligue des Champions sur ce FIFA? Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement, Sony a les droits de la Ligue des Champions. Et ils les ont donnés à PES. Mais comme il y a eu un partenariat eSport et Sony, je pense que Sony donnera les droits tout simplement à FIFA. Parce que PES, on peut dire maintenant, c'est mort. Il n'y a plus le Real, il n'y a plus la Juve. Les équipes, c'est claqué, c'est nul. Et donc, je pense que... peut-être, je pense qu'ils l'ont pas encore annoncé, ils nous gardent la surprise. Il y aura peut-être la Ligue des Champions sur ce FIFA. Après, est-ce qu'il y aura ça sur toutes les consoles ou juste sur la PS4? Je pense qu'il y aura sur toutes les consoles, mais voilà, c'est une petite information à prendre avec des pincettes. Je me suis fait cette théorie moi-même, tout simplement parce que voilà, je me dis PS4 et Sony, donc Sony c'est forcément la Ligue des Champions. Et puis on sait que FIFA, FIFA ont la Ligue des Champions, PS c'est mort, ils vont mourir tout simplement. Donc voilà, on verra la suite du trailer dans quelques mois. Ouais, je pense quelques mois. Et puis voilà, c'était une très courte vidéo, les gars. Je vous dis donc à la prochaine, les gars. C'est Zarkos. Ciao!